12h41min20s. C'était souhaitable. Oh, vous êtes mis à la qui avait décidé de... il s'applique à une philosophie, une politique administrative qui lui disait d'aggraver la chose en mettant une interdiction de dépenser le... ce qui doit continuer à être dépensé plus que l'équilibre. Ça c'est pas vrai, mais ce n'était que c'est juste. Nous allons ensuite dans la bataille suivante. Avec une position de gagnant français parfaitement ajustée d'un commun accord entre Ron Dumas, Gabin Leroy et moi-même, les trois négociants membres, avec conscience. Vous donnerez le témoignage que vous voudrez. Donc, ce sur quoi il a été. Nous voulons absolument monter l'affaire en cette tragique de la manière dont il est employé. Par ceux qui ont mis des dizaines d'années à il faut savoir qu'on ne résout rien quand on aide seulement les gens de se dire où on en est. Et qu'on parle de France et des gens d'agriculture productive derrière, ou qu'il n'a pas une finesse, ou un champ mal placé, ou une chose pas fait à temps. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la gauche de l'année. Nous sommes à la fin 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 de l'année. Le président de la République, vu l'article 8 de la Constitution, décrète qu'il est mis fin aux fonctions de monsieur le Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Le président de la République décrète que monsieur Jacob Lech est nommé Premier ministre. Les événements se sont précipités. Hector Lachivi était à l'Elysée, a quitté le palais présidentiel pour l'hôtel Matignon, où il a retrouvé précisément Jean-Marie Chirac pour la passation du pouvoir. Plusieurs minutes d'entretien, poignée de main devant le journaliste et les caméras, et première déclaration. Ensuite, les événements se sont précipités. Ça va de soi.
Mais tous ces Allemands sont Allemands. Qu'ils soient Allemands ou Allemands. Méprisant.